Rekaka ngwa ko wet mwa tri rekawa seansa. Papa globena mesia meke obe ma jivi wa la jivi. Amen. Yembe amen. Ken trojo an troilume. Mbele iskula. 2022. Yemba fofu. Musuke do fuana maele pagala nyan lelume. Ye mimba ekografia. Obe vena vie la domenam. Alléluia. Obe vena vie la domenam. Musuke nde a chauffeur ye. Edosro le pagala. Ke mba ma oba venunya. Set mwa ye mba isro nye gbo krom se sokode. Mwa wetria me vele funu. Cesarian yo onam. Ke mtro gbo janvier a. Ke miya du mi du pevoa. Adome vale lem. Et nous les on la dominam. Et via quoi aussi Césarienne arrive de via au Tiagbe. Au Tiagbe. On touche au Tiagbe. On touche au Tiagbe. Amen. Et janvier a que nous pouvons avoir domé le dou. Et les bende les on la dominam nene. Que au Jide ou au Jide via vos mes gens. 2023 ya, 2024 ya. OK. Que nous le on nene a ne gria ola somu kwandi. Ola do se rom nam. Mais mou le fak pau. Obma be we que graphie. Et sur les bena yo ici. Mille donne ne kakaka ni mou échographie. Et nous allons adomé à l'ébouné. Et ni soir samedi. Mouyon tona sur les bena poulon va fille. Moule kende menamo. On va voir. Yen yen tom tite. Yen mouye yen tonne bena ne mpam la homewa. Ke moule kovelo. Va kove allo. Yen mouva ni soir samedi. Ken va yen tona maubena. Ken va dole kia. Et nous, quel est l'homme le podomia? Nem quebesi, yemunua, nenina tepe na magbe, benaton com tome. Crise d'asthme. Et longtemps, elle est allée à l'hôpital avec cette maladie. Malgré les soins, elle n'avait toujours pas la guérison. Et il fut un temps où, étant dépassée, l'une de ses sœurs avait recommandé de venir dans le camp ici. Et elle dit qu'elle était venue dans le camp. Et lorsqu'elle est arrivée ici par la prière, le Seigneur l'a complètement libérée de cette maladie de crise d'asthme. Il faut rappeler qu'avant qu'elle ne vienne ici, elle avait fait cette crise et était même dans le coma avant de venir ici. Mais par prière, le Seigneur l'a donné vie. Et elle tient à remercier Jésus ce matin. En dehors de cela, en 2022, elle était venue dans le camp ici lorsque l'homme de Dieu prononçait des paroles prophétiques et nous disait que ceux toujours inféconds et infécondes que le Seigneur leur donne d'enfants. Et elle dit qu'elle a reçu cette parole prophétique. Lorsqu'elle est repartie à la maison, le Seigneur lui a fait grâce, elle est tombée enceinte. Et lorsqu'elle était allée à l'hôpital pour l'échographie, on lui a dit qu'elle portait donc des jumeaux. Et par la grâce de Dieu, l'accouchement a lieu par césarienne. Les deux enfants sont vivants, elle-même elle est vivante et elle tient également à remercier le Seigneur pour cela. Elle dit en janvier 2024, elle a traîné un mal de ventre. Elle ressentait quelque chose bouger de temps en temps dans son ventre. Et elle dit, elle s'est dépêchée dans le camp ici et toujours par la prière ici, le Seigneur l'a libérée de cette maladie. Et ce matin, elle tient donc à remercier Jésus. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur pour la vie de Amen. La maman. Merci pour Jésus. Acclame Jésus. Merci pour Jésus. Acclame le Seigneur. Et bien, les crises à haut, on va au dodo pour 4 ans, on va glober, il m'a gâté ma jivio. On va amener vers toi, elle va te faire, maou doujine. Amen. Amen. Miamma ou anane que me sénéo. Allô? Mais quand il y a un célende, il y a un maoui que ce bois mille anane que me sénéo. Amen. Amen. Elle a douji le mieux 4 ans, bac bémé. Amen. Elle dit au moment de ces crises, lorsqu'elle est allée à l'hôpital, on lui a dit à cause de l'infection, elle ne pourra plus enfanter. Mais lorsqu'elle est venue dans le camp ici, le Seigneur lui a fait grâce aujourd'hui. Elle a des enfants dans sa main, notre Dieu, rien ne lui est impossible. Amen. Amen. Nyadada, ami de Koukounou Kayesu Wanao. Décembre 2022, Yemba séance lifié. Mba dokbirane maobe, ninani ma postage. Ninani ma postage. Mga kenjoye a romea, janvier mea, un postage. Ntoueji, un mois après la société Boutroyom, stage le noté comme.
Alléluia. Amen. Amen. La sœur remercie donc le Seigneur ce matin. Elle dit, en décembre 2022, elle était venue dans le camp et s'est priée pour que le Seigneur pourvoie ses différents besoins, notamment à celui du travail. Lorsqu'elle est repartie chez elle, déjà en janvier, elle a gagné un premier stage. Quelques mois plus tard, une autre société l'a appelée pour d'autres stages. Elle dit qu'elle est allée, elle a terminé ses stages. Là, le Seigneur lui a fait grâce. Elle a également soutenu et ce matin, elle est là pour remercier le Seigneur, celui qui est l'auteur de ses œuvres dans sa vie. Acclame très fort Jésus pour la vie de la sœur. Acclame le Seigneur. Acclame fortement Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. So 2019 même va comme fier pour venir au ameton wa pata lele do ke ngboye mplo va to yaji mplo ikonji ye mplo ikonji a ma va homia ma su wetri de ka ma gba mplo ikonji ye mplo va fier e go manye be ou letricia ou letria mplo na o ina konji ku de via o ke mplo ikonji a so atike o devia on va fie yim nawo atike de pepe o ye yesu dijinya yawo mi ke yawo mi a 3e jour a nyine nye deva 23h eva pohonam ebena nyemi leja gbantane ye mbe nyine nyim ja gbantana ode ye so 2019 me kaka na ku gbe a nye ku nyine nye wa mi mle ponupo ye mpem dogbe ne amu hona gbe namo ye bale tona mbena be nso kakla de kana sronyi ye mso de kana no vinye be mi le gato e be nye ntom le ameve do alo ameve do eji ye mbe esro ngbona sronyi bena yesu ke le povia ele wodo amen e patawa e patawa haleluya. Amen. On va aller dans. 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 On va Jésus pour la vie de la maman. La maman dit qu'elle est venue dans le camp ici en 2019 pendant que ses enfants tombaient fréquemment malades. Et elle dit dans cet état de maladie, elle est allée dans les hôpitaux avec les enfants, mais toujours ça n'a pas marché. Presque chaque mois, elle était à l'hôpital avec ses enfants lorsque finalement, elle a décidé de venir dans le camp ici. Et elle dit lorsqu'elle est arrivée ici par la prière, Dieu a levé sa main dans la vie de ses enfants et depuis ce temps jusqu'à présent, ses enfants sont bien portants, ses enfants ne tombent plus fréquemment malades et finalement elle est repartie à la maison. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, quelques jours plus tard, il y a eu l'un de ses oncles maternels qui est venu l'accuser comme quoi c'est elle-même, son mari, qui ont pris donc des épées ou des couteaux sur elle, voulant donc l'agresser. Et pourquoi est-ce qu'elle est en train de faire cela? Et donc c'était un problème spirituel. Après donc ces menaces de la part de son oncle, l'oncle l'avait gardé rancune. L'oncle ne parlait plus avec elle. Mais elle avoue que depuis ce temps où cet oncle en question a fait de telles menaces, après qu'elle ait quitté le camp ici, elle dit depuis ce temps, ses enfants ne sont plus tombés malades, les enfants sont bien portants. Elle-même, elle est bien portante et aujourd'hui, elle est là pour témoigner toute sa reconnaissance à Dieu, celui qui a combattu en sa faveur. Acclame Jésus pour la vie de la sœur. Amen. Amen. Bible, Bible,
La Bible déclare que le diable est vaincu par nos témoignages. Alors, il est très important de rendre témoignage pour la gloire de Dieu. Pour que Satan sache que depuis la création du monde, il a toujours échoué. Amen. Amen. Plaise-la. Alléluia. Alléluia. Amen. Mia no mi de kuku nuka Yesu ona o. Bando akpe no ma udo papa bagbeta kolo asha kolo do ala okata bagbeta. Ekwe ti ba ime o ndo ngbe ni mo. Ne pe do yen idon le le pe pe de ru njo. Inde jeno ku. Ya su nye de jeno do le le de jeno ku nya nya fami o kenken. Ode jeno do le le ode jeno ku. Na ba di da se ya jira ya blibon. Ne ule cha me ne mi je ule cha me veto lo me o. Nava weni lo yi ule cha me veto lo me yindo ngwi mo ni di keto nava di da se ya jira ya bli boni le ni di keto. Amen. 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 Alleluia. Amen. Ya no abe ya dakpe na ma wo le ndi ya be e pe ke mi do me gbe ya ye pe enya ike gbro na ma wo nye be ne po yi ota ye ntota ye pe ibo po me ata ye pe ye vi ota dolele me vo e ku fo sana yo a Nemieje efe yeye ya meike nye fe akpeve blave vo ene amea. Le ule tri evelia me tutua ya va adakwe na mau ajihane ablibone defa meta kokuata. Ta leike ye blonya ye kobe mau wele ye fakbe meta. Ule tri evelia me le fe akpeve blave vo ene amea. Ye va be ya dakwe na mau ajihane. Eye enya ya ukatala enye ajokbe defe tutuna mau na yelo. Amen. Amen. Acclame Jésus pour la vie de la maman. La maman dit qu'elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit à Dieu que s'il veille sur elle-même, sur ses enfants, sur son mari et sur tous les membres de sa famille, et qu'ils ne sont point tombés malades, ils ne sont point morts jusqu'à l'année 2024, elle reviendrait ici chanter et rouler au sol en honneur du Seigneur. Et elle viendrait le faire dans le deuxième mois de l'année 2024. Le Seigneur a accompli donc sa promesse dans sa vie. Et ce matin, elle est là pour remercier Jésus. Et en plus de cela, rouler au sol comme promis au Seigneur en guise de remerciement à Dieu. Amen. Amen. Ni kwa ma mele yi le wo nkome mele yi le wo nkome mele yi le wo nkome wo ya irasi wo neno miachi yano mele yi le wo nkome mele yi le wo Nkome miele yi lewo nusame woya yasiwo neno nyache miamesiwo nyetowo miele yi oh nusame miele na Amen. Amen. Que ces mains de bénédiction demeurent sur nous. Alléluia. Amen. M'kare di bena, toi a di mano mi a mi a mire obe agbea, uma keno kwa mi egbeu. So 2014, yem le die dore, kenye mde kpe mwamu, mla ni po fankwa, afwa kwe tenam gang gorore, nyem te tole home nto chan. Voilà, d'ailleurs, comme les, oh, il y a témoin de Jéhovah,
obe o matin kwa mi kwa ndi bena boko na obe dolele vwa jila nyowa omle fi o la hwe o kwa mi a hwe jila nyowa e kwa mi boko na okwa boko na ka kwa mi yo ale o e bonka mi msova yo vwa yon o keke ma dolele akba I leti 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 ne ma dakpe na ma wekbe ya lu mo vi do di be ma ou ye kom da gbe gbe mi le alleluia ya te voici pe na mauya alors tu peux acclamer ce voici dieu voici pe na mauya la acclame ce dieu alleluia amen et ti kona le boko na ogbo mbe a majo ikondi mi ikondi o wana le so radio o mle konde pe pe o ejo ti kona ye no vi nyere le lome be yo mbe na etore le fie ye 2022 wa ye mva toa ti va toi di avril mai kaka octobre novembre omia hodo yoyo alleluia ame kola de sima no la don kure ti nya ola de simbe mdo ale to ya di amola ro di da sela no ti ko vo ani ko nya nona vo egbe an chambe ma di da se ma to se na ma alleluia alleluia amen ebe ma ta pe na ma o del mo vi do ti e sura ple vi o ebe do lo le toya di ba gbeta futo de sede be ate pa be a do won veve ku ola di pone wa vana o le yesu we ko mi amen voici ta pe na ma o voici pe na yesu la voici pe na yesu alors voici pe na yesu la jesus amen amen jo 2014 fe ape ve wi ene aba fe ape ve bla ve vo ve amia gbe be le fe andre alo fe ameni e yi boko bo yi konji me poto yoyo vo ebe va pa me ami va ga kamo mi va avril mai 2022 mi va le poto yoyo sibe octobre novembre mi akwa be tri amene alo le tri ma ton roko e ma uyo to e voici que dans nos kunu ma uya acclame une fois encore ce dieu de miracle kem do le to ya di 2022 avant night bia e nu ke wona sale ke la mecha na ikulo ja va venam nyum ten zona abocha le ke ma ma du nu cha em ten una vo ke mjo le te 2022 va night bia e ta jam du na vanye a fo bia lo a lo vi cha teto e me ma da pe na lu mo vi do ju be ma wa be ne ido ju lo e do le na be ve de sura la ho ke munye ji ji nye be ma de usua vo e gbe me nye kwe mi ngbale vo ngbale to gbe da na be na ne tro na musu ke en to wa mba gbe a me be ma de ya ne so na mlo amen amen voici pe na yesu zide ka ke la une fois Jésus. Amen. Ah, amen. Mi ato obrene le fia koko dolele adebe dina kwa me. Dolele adona vlo me. Akplo oge de nu yo ke me jibi a yimo. Ebe dolele ata fi ke do me ime do la de sole wa. Fi ma eba de sole. Wa amen veve to ya ma utro kpule kwa va yebe nkunu keke li lago. E ale ke uyo done ya. Mi kade jibe pak bafuchi ya ha. Ma u atwene cho to ya jipe kwe dodo da me. Amen. Amen. O ha le te fede le miakom. Non, non, mais on le saga la gomme. Kakade jine swasi obe. Ale yo glonabe yesu nye undodoa. Anna undodo ha koko 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 koko. Amen. 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 La sœur remercie donc le Seigneur ce matin. Elle dit depuis 2014, elle a traîné une maladie. Elle s'est réveillée un jour avec ses pieds enflés. Elle est allée à l'hôpital, ça n'a pas marché. On l'a amenée vers les charlatans, vers les féticheurs. Elle a fait des sacrifices sur sacrifices, mais rien n'a toujours changé. Les pieds étaient toujours enflés et elle s'y tordait toujours de douleur. De 2014 jusqu'en 2022, elle a toujours traîné ce mal. Et en 2022, quelqu'un lui a parlé de ce camp de prière. Elle avait même conseillé de venir ici dans ce camp. Et elle dit qu'en avril 2022, elle est arrivée dans le camp ici toute souffrante parce qu'elle avait toujours les douleurs au niveau de ses pieds. Et les douleurs ont également attaqué ses genoux et également ses bras au point où elle ne pouvait même plus lever correctement les bras. Elle ne pouvait même plus utiliser sa main pour manger parce qu'elle avait tellement de douleurs dans son corps. Et elle est arrivée ici en avril 2022. Avril 2022, octobre, novembre 2022, elle a constaté que le Seigneur l'a complètement libérée de toutes ses maladies. Les douleurs aux pieds ont disparu,
Les enflures aux pieds ont complètement disparu. Les douleurs Alléluia. Voici que na Yesu là. Acclame Jésus. Amen. Amen. Bible la ben amodo wa onye chochro vio. Wa ameyo menye chochro vio a. Ma wonto nya mo ikeji wa to a Jehova eto do kwebo. Alléluia. Amen. Kapra happy mpa cha eho Yesu jour ma e yo ho happy wa ho Yesu ha. Nye be gbedoro e me vana to ya ji me gbrobe. Ne tonye na ashab ale Zezabel be nyile ntinye la. Ne jore mavo. Wa ne ibe apotre Paul be nyila. Ne dogele mare chie wa tro. Nye gbedoro kata e ba me be e tonye a jour ma e ho Yesu nya tepe. Alleluia. Me kare ji be gbe iko me do kaka me kwa be tonye a menye Zezabel o. Menye ashab o. Bo bon apotre Paul o nye. Amen. E tro ji me nya tepe. Wa maga e imele mi asio ma chwe kwe kwe reko. Ye kayejia etonia eyo no ahiyame anyibare lesi ye ejibela se owe kaka no viare le kara ocho de asimere owe kaka eglo o me temple to be 5 a 6 ans ye etonia o leje kaka le cover planning ba cha avukule koe eyo va tro chimela mtore be mpaonya bo bebe mawa maun se kata tonye mau de keme galiso pilio nene make Yesu la amoglo me Yesu la tire siade bo amu itepe de siade Yesu de na do kifia nao atire le la ne do la akpo Yesu ade do kifia nya tepe anya be ele tepe de siade bo amu itepe de siade de na do kifia nao eto be oh be nya te Yesu la we abe e ya ya e ho yi so bo kapu yo se e ya re lo re kale yo si yo la se re ya tro balerin ti gbo yembo o ba chi jo ba mi ayi pove e ye mi va englo leta bebe choy na dogo rega kenyole mona deme aso dare letter na Yesu ela du chi nao semaine ikeme etonye va cho letter dare na Yesu la e wo troya home semaine man keke ma me tututu o yebe anyimba nkeke jimi mi e wo letter ebe deuxième jour obe amare va ibi anyimba ta ele plaisir ka le tout plaisir ka amen Ame yini mandataire na anyimbala yo le ti bene signé yo yo tonye sereka yembe mpa opo Yesu lo hafi emele gbono troji menegbe eyo Yesu wola boy e na galere yetu sesere anyimba ye opotola Yesu akadu jina oke eye jijomi de kanye ya eye eyi mele mi ati ota e me so pepo eye mpa be eyi gbova yi kara nye kule anyimba tova ameke planyimba mi va dogolo noche ye edasi agbale ate happy woyi kara pote pia nya tibo play e otro gbova ye mbe pudu kaba
e na va dape na mau e yo yo le nkola aga we na wu amen ta ye ta mi babe mi adape na mau alleluia voici que na yesu de mi atwa ple via ba ketala très fort Jésus pour la vie du monsieur et son papa. Amen. Le papa tient donc à remercier le Seigneur, ou le frère tient à remercier le Seigneur pour la vie de son père qui est à côté de lui. Il dit, son père a été féticheur, il a été charlatan durant 32 ans. Et durant les 32 ans, il a eu à servir les idoles. Mais le frère qui vient de prendre la parole est son fils génétique. Il dit que lui, il est évangéliste de profession. Et depuis un bon moment, il a toujours prêché la bonne nouvelle à son papa et lui a toujours demandé de recevoir Christ. Mais jusque-là, il était réticent, il a toujours refusé. Mais entre-temps, il était revenu du village lorsqu'il est tombé gravement malade. Il était agonisant lorsqu'il a été appelé. Lorsqu'il est arrivé, il a vu son papa qui gémissait au lit. Et le frère dit qu'il a dit à son papa, « Je t'ai toujours dit que c'est Jésus seul qui peut te sauver. » Et au papa de dire, ah, « Là où je suis, je n'ai plus de choix, je suis prêt à recevoir ce Jésus-là. » Et effectivement, le frère a aidé son papa à recevoir Christ dans sa vie. Et par la prière, le papa a été complètement libéré, complètement guéri de sa maladie. Et après cela, il a toujours conseillé son papa de venir dans le camp ici, parce qu'il a dit souvent que Christ est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Et donc son papa a été aussi convaincu de venir dans le camp ici. Et finalement, il est arrivé. Entre-temps, le papa avait un terrain qu'il avait des difficultés à vendre. Et lorsqu'il est venu dans le camp ici, son enfant l'a aidé donc à faire la lettre pour Jésus. Et lorsqu'ils ont fait cette lettre pour Jésus, ils sont repartis à la maison. En moins d'une semaine plus tard, quelqu'un a demandé d'après ce terrain. Le terrain a été acheté, on lui a payé de l'argent. Et le papa a reconnu une fois encore la grandeur de Dieu dans sa vie et a décidé donc s'attacher à nouveau au Seigneur par rapport aux œuvres qu'il a accomplies dans sa vie. Et son papa, qui durant 32 ans a eu à servir les idoles et qui était féticheur durant les 32 ans, aujourd'hui, il a reçu Christ, il est devenu un vrai chrétien, un vrai adorateur de Dieu. Et ce matin, le frère et son papa sont là pour remercier le Seigneur, celui qui s'est manifesté dans la vie de son père. Acclame très fort Jésus. Voici pour père. La vie du monsieur et son papa. Tu peux le faire plus fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tonyo, enyarele na vire. Ameko nyu no. Mhm. Bokona o. Mudi bokona o. Amerika male la nyaba ke yi le kaka fa ka afrique pe ewu Jésus. Alléluia. Yato, Bible abede, ne louvodeka, va maugua, et nina jijo le jifo. Et do jijo nom yoha, yate jihade na yisua, et hade, y ken yole miame, yate magi, adapte na yisu. Ah, magi, have you a maca for mo? Yeah. Ah, Satana, blemi vevere, Satana. Alléluia. Yato hana vyane baji myase. Satana tafu vevere, mebe Satana tafu vivi. Ugai mesubo ibaya. Satana tafu vivi. Mebe Satana tafu veve. Mbale Satana tafu vevere. Gai me mesubo ibaya. Satana tafu vevu impanda. Mi bonda,
Alléluia. Amen. Yesu nyo allo. Enyo la. Enyo ndi akura amodo yikpe plachi ogbo. Oh Yesu honami lo. Gedeo ke Yesu ole ojo. Sapate ole ojo. Avatre ole ojo. Agevodu ole ojo. Mami ole ojo. Nemanya Yesu ndi ya. Myonha miya miya no. Egbe fida gedeo ame gedeo. On a un boko, vous doukba ou me, et be fida ya, nde ya kaka kaka otro, watosa, en oua ke menera, gedeo non ame kosida kata, allo, kosida ben oua kata, cho fida kaka ide kosida, wa egbe ya, myom yesu yesu to, nye jirado kekem, non ame trona mi nyaola, voici pena yesu e. Acclame très fort le Seigneur. Ah. Le vieux charlatan qui s'est converti a donc exhorté ses confrères ou ses ex-confrères à donner leur vie à Christ, qu'il n'y a aucune puissance au ciel comme sur la terre qui puisse s'égaler à Jésus-Christ. Que s'ils continuent toujours par servir les idoles et refusent de donner leur vie à Jésus, ils finiront par mourir et ils finiront par aller en enfer. Mais le Seigneur nous a reçus, il nous a restaurés, et aujourd'hui, nous sommes transformés, nous sommes devenus de vrais enfants de Christ Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 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 Amen. 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 Agbeko nano, agbeko nano, agbeko nano, Paul doji nu mo viye, agbeko nano, agbeko nano, agbeko nano, nu mo via Macedonie. Uh-huh. Alleluia. Amen. Alleluia. Toi tu déclares mi ase. Agbeko nano, agbeko nano. Agbeko nano nu mo vi agbeko nano e agbeko nano agbeko nano agbeko nano nu mo vi agbeko nano o agbeko nano me bi agbeko nano o agbeko nano nu mo vi a Macedonia agbeko nano awa Agbeko wano alo Agbeko miano Agbeko miano Agbeko miano Agbeko miano Amen 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 Eji chole de kanye bena madak bena ma umadi adase Amen Amen Nyenda siri de nye bena Mi kata minya tu ajito Mototo de me Miano de kabe vio kata Mais bon, d'autres connaissent bien la vie magie. A me siame, mi kata mi tout, mais qui va valer, Yesu va de mieux que. Il me canadi bien la, et où est la wena ouha? Et où est la ma la wena ouha? Et où est la nia ouha to hobbe nigbe? Et où est la nia lo ouha to hobbe nigbe? Amen, amen, amen. Vous avez que nous va chodo kaka, mi vague de touaji, Yesu va wena mi hoyo. Bala mia fofo gato aye je gome e de so avi magika ka 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 e vanya to echi amen vivia yesu vana vi e wo pene ne bon nyim nya pri ale ko wa e to me vire okay e ye mi kata cha nya ha mba de so nene make fofo nya o cha nene make vivia to wa e ka mi zo mia se to wa nya mba dia da se e ye kim gba trova to eja mba le gbon be na nenye be mo we ka ka mi kata mi ji vi vola Ma va dia da sena ma wu aga pene aji aka fui. Ye nti me va fifia. Voilà. Nya to nya le chi amaton. Ye mo we na nya. E mo we na nya ba e konta wu fonya de. E no me de pene ne hafi ne va va tuaji. Ye le ti amaton me gbea ma va we na o. Pene ne ne no vi maji me. Bon me jiji le o le chi amaton. E mi de mi anono wa. Le chi amaton ye me mi cho to me. Ye mo ve mi an. OK. Eye, hakembe majia. Ke egbe anemia se egomea,
maude miokata miokata miano le kabe miokata me siame to me voya miokata la mi jivie mi jivi mauve miokata no to to ya jiva va me to mauba me appelle mi fafia plek be dodo da me alléluia amen a te na yeswa. Alors tu peux acclamer le Seigneur. Le frère remercie donc le Seigneur ce matin et il dit le Seigneur leur a délivré de l'infécondité, une maladie ou un mal que presque tous ont eu à traîner, lui-même et tous ses frères aînés de même mère. Et le premier a traversé cette situation d'infécondité durant un bon moment, mais lorsqu'il est venu dans le camp ici par la prière, le Seigneur lui a fait grâce et l'a rendu fécond. Après cela, c'est son propre tour aussi qui était arrivé en dehors d'un de ses frères qui traînait aussi l'infécondité. Mais lui aussi, lorsqu'il est venu dans le camp ici, par la prière, le Seigneur l'a libéré de cette infécondité. Aujourd'hui, il est aussi père de plusieurs enfants. Et en dehors de cela, il avait promis à Dieu que lorsque tous ses frères aînés, y compris lui-même, auraient donc ou auront d'enfants, il va revenir dans le camp ici, partager son témoignage et remercier le Seigneur. Le Seigneur l'a fait et tous ses frères aujourd'hui ont d'enfants. Lui-même aussi, il a d'enfants. Et ce matin, il est là pour témoigner sa reconnaissance à Dieu. Et il l'a fait à travers également une chanson dans laquelle il disait « Que nous m'envie d'Oji Paul, tu vivras pour toujours. Nous m'envie à Macédonie, tu auras la longévité. » Que cette longévité soit au partage de tous ce matin. Quelqu'un répond « Amen ». Acclame très fort Jésus pour la vie du frère. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Metta akwena amesi kedo eto yaji kudo ebe do laodo ebagbeta. Nade jore jinye. Yembe madida se no de toto le me a egbia nyama le yodo me wa mau de ntole eku me sodo amegba godo me séance que va ya ye me va y village ye me gbona mbe mato eto aji ne ma subo ke ngbo ne ma jo gare pepe gamene mbale ya ne ne wene wa ye nu agba tutun to fi ebe ma to fi ye nya te pe me a jeudi a matin a on va do fi ye ntrodo to ndogbera on so nya be mo zozon so da si me na ma o ntrodo agba do wa ntrodo agba do wa ele nya te pe me a on wo church ka ka opa 13h ye nani ka ka po 15h so le yi ye msite on so mo msite mle yi kaka le do dacha ehun de le nkonam ehun ke le nkonama nyam nyabe leke kuleke o ha de kapo a ehun apo efrene le nkonam po de crayon ta chao titan e ye ncha mlepuju ke mlepuju a kaka ma be ma frene nkoku ngbedo me a leke moa wa ntwasi vire ye evego akwa o ma ba podo kun yen kwa ba podo kun yen le ehun agome endwa tutum sodo ehun agome ye ga ke mo ba de toa nyen po ebe tepe o nyem nya leke be joro e go nyen be obudo doku o mbudo doku yen o som so idaka dacha be konji e nofunu dacha to po ma obe yo matin odo a o tutun do da atapa mele shashui bi be nofunu o wo control na ma leke etanyele wa kaski kenchoa e hua be pon e zin kaska e be zin etanyele kaska me eta e ho abile me e etacha munyeleke nyebe tale vitu ku mile po ya yo eta balolo ye o ba nglo eskane na mile lome be mi ai lome
mi o wo obe obe tango le me vide donc a yosa atike onami yemi gba trogbo ba atakwa me mi trogbo ba mi le funu enu kele jore jinye enyi bena ne enu adan le nye be susu me a zare kwa olabudo dokio enu ala balancer le susu me na o kakaka la ba chite pere kwa olabudo dokio le ne kpon le budo dokio wa kakaka kwa e ba do agare me le sigbebe nja davo nene ele ke enu ole idoa ah ye oba klon so ba fie jour que mba do fi amba le do fi lundi lundi passé yemi do pa me e ole o church yemi o church vo mi pa ye mbe na yin le ati gome e alon le som alon a ko le som e mla yin ye mle ku dron bena amere va gbonye va le do abido fi enam abia do do me a ke do abia na vo a ebe megbe a nye be tago me va le hozo ele hozo me le sevebe mele sevebe kakakakakakwa kwa hari ka kwa eme yi me budodo kwinye le drame le drame la tiago me ye mba fon ke fon enu kele oma nye ngba le sebe nko sa eta penam haleluya eta mega pen o e dole le opata o jole jinye haleluya embe matin a ma da pe na ma o bena ma o le yen be lu bota haleluya haleluya asipe agbata wa acclame très fort le seigneur haleluya amen ni blena jiji le tu ya jibe no dogbeda pavo a amodo kona oto le gbedo da mesireka amodo kona oto le imeke o ja dideme eyanti o bia na chomi asi esia ibe le dideme be eyi oa elebe amesia mene wo enchi donye telefone wa no chichi alebe nenye be jeva dideme mau dolo java wo dole enchi wa ne atema po gome le edoike o java wo na o me e de mi atoa e mai me na ne ba chake a edoike ma wo le ba gbe me a adafu dolele aga no eji for amen veve to ya mau eyoto e acclame une fois Jésus. Amen. Amen. Le papa remercie donc le Seigneur ce matin. Il dit qu'il a été victime d'un accident grave. Il roulait avec allure derrière un camion qui a brusquement freiné. Il ne sait pas comment la chose s'est passée. Il s'est retrouvé en dessous de ce camion-là. Il a été transporté à l'hôpital de Dacha dans un premier temps. Ça n'a pas marché, il a été refoulé au CHU d'Atakpamé. Il est allé, mais ça n'a toujours pas marché. Et il dit que les soins s'intensifiaient toujours, mais ça n'allait pas. Lorsqu'on l'a refoulé à Lomé pour un scanner. Et lorsqu'il est allé pour faire le scanner, après le scanner, il a été révélé qu'il y avait eu des fissures au niveau de son crâne. Et c'est ce qui entraînait de temps en temps cette douleur qu'il avait au niveau de sa tête. Il dit après cela, on lui a fait aussi les soins, on lui a prescrit des médicaments qu'il utilisait. Mais à son retour, il faisait de temps en temps des crises bizarres. Il ressent simplement que quelque chose tourne autour de sa tête et brusquement, il fait cette crise-là. La chose continuait ainsi lorsque finalement, il a décidé de venir dans le camp ici. Et le jour où il est arrivé dans le camp, il a suivi la prière de 10h à midi. À la fin de la prière, on a demandé à tout le monde d'aller se reposer dans le calme et dans le silence absolu. Et lui aussi, il est allé se coucher sous un arbre dans le camp ici et au niveau des palmeraies. Il dit lorsqu'il s'est couché là, il a été emporté par le sommeil. Et pendant qu'il dormait, il a vu un ange qui est venu dans le rêve et l'ange était en train de lui faire une injection. Il a reçu cette injection là au niveau de son bras. Lorsque dans le rêve, il a constaté que les douleurs au niveau de sa tête s'amplifiaient. Et il a eu les douleurs jusqu'au moment où il a encore fait la crise dans le rêve. Mais lorsqu'il s'est réveillé ici, physiquement, à sa grande surprise, il a constaté que les douleurs qu'il avait, les douleurs ont totalement disparu. Les crises qui venaient de temps en temps de façon fréquente, les crises aussi ont disparu. Depuis ce moment jusqu'à présent,
il est bien portant et il tient donc à remercier le Seigneur, celui qui l'a libéré de cette maladie. Acclame très fort Jésus pour la vie du frère. Voici quoi en a Yesu là. Tu peux acclamer plus fort le Seigneur. Yesu Agbenala. Jésus le donateur de vie. Awena mede lendia. Il le fera pour quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Ya fofo nuka Yesu wona mi o. Ah Yesu adogando la gbeyan. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tutu gba ndagbele mi ato. Papa mo vi doji ba gbeta. Kudo ebe ha do la o. Baba ve me be très jeune. Zo kasa sabun jona jina. Nan gba do vire pa m jona mi na. Eju ni me be na agbo me kanabito e muni. Embe sana zuka. Ke mi no jo kasa sabe nya o mere la o si be pene ne o. Ah bon. Tu as dit so 12 ans. 12 ans. 12 ans et toi, je connais ça. Et puis, quand 32 ans, la signe vivi. Elle va dans la signe. Donc, tu as 12 ans, quand tu as 32 ans. Donc, nous avons 32 ans, quand tu as 32 ans, je vais te dire que tu as 32 ans. Tu as 32 ans. Ok. Donc, elle va faire un peu. On va voir que le ciré d'arrêt. Voir que le ciré d'arrêt. Voir que le Et moi, je suis un peu vigno, je me vais la signer. Donc, une pièce, je me vais la signer. Donc, je vais la signer. Bon, je vais la signer. Donc, je vais la signer. Et je vais la signer. Et je vais la signer. Et donc, bon, je vais la signer. Et je vais la signer. Donc, je vais la Et il y a des cas qui sont en train de se faire. Donc, je vais aller dans le domaine, 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 je vais aller dans le domaine. Zana Gaka, Kaka, Kaka, Kaka. Oh, oui, je vais aller dans le domaine. Je vais aller dans le domaine, je vais aller dans le domaine, je vais aller dans le domaine, je vais aller dans le domaine. Bon, je vais aller dans le domaine. Le 31 décembre 2021. Voilà. Et examen, je vais suivre le prophète Rolle Télé. Et là, tu as dit bon. Voyez, il y a examen, je vais décider. Je vais voir, je vais voir, je vais voir, Chatia came was our mayor, him Yosroni Dare, him Tonebe, and Yankea, Beve Juya, Nola Bunkumene. Hallelujah! Hallelujah! Voici que Naye Sugela. Acclame une fois Jésus. De l'Oloïka au Dona Louvoyata. Amen. Pour l'amour qu'il témoigne à cette âme. Him Tonebe, Nan Goro Vujia Benyamea. Then you cool away all about the bony. But I won't see him, love, nobe, yavo. Okay, don't I can well in there. Don't mumma, yon ponya, yes, to bring a little quintachon. But Zamia came suivre, Prophet Isaac, le télé. Why, Zamia and Fiat Jogbena, the Queen, but so Zamia, Vedria, Made Tolo Hoyam. Voir, you make a question, so you caca bene. Parce que nous avons un peu de temps, 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 nous avons effectivement, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons Pa gekpon gekpon gazé gekpon la hwa me le funu ye mkokko ve dwa ke mkokko ve dwa alors je le tiam li male ondo vancha mle yo ma unye bende pe ma joro jinyo pa ye mkokko e so do hu ke mi le hu me le ya be dwa ba so nkona chauffeur a nyang po e chauffeur a cha amese se cha po e le bi om enye le chauffeur a gbo lo nko e le bi om be Nke va son kon ami fiye mi ja accident npo e ma mba a o ban nyan de gbeso kunun chofa va ve jo la kwete ma na wa
Yembe, ya me zomi jo. Alléluia. Enu ya owo na nyu na gbeto ya. Ami an to ba khonu wa be me gale jiji wa. Abi aba chumo ne ne wasida. Oh, alléluia. Da se didi ya e so ple mi ato chichi ato. Ne bukono de la fide que le chignon ou alors que le chien chou de la fide ya. Ne gbede que le chien chia. Aja ba trota dolo. Aba panko olo. Ade won tojo. Ade viwajo. Ade sowajo. Alléluia. Ta nemi le da se didi ya on se la jogea. Enye eyi nyue ton ami be. Nya wo chacha nyue ton ike fofu ak blobe ye wolo. If you are coming, cock over, dress a drama, him quaver do, get warm. Come quite the get warm, quire him, Joe. Come, Joa. Bon, Mille, come, Lea. The good bring Babas on an ammo, ne? Nem, ya, feel a quick baby, my bed, Dido, I look at myself, Rujutina, and walk at our chaka, Blena. Hey, I'm a dedicable, Kakaeva, Jesse, a 2 year Jew. If ya, come well in there, le 31 décembre 2022, ya. Et non, il n'y a pas tout à dire. Voilà un moment où on veut jouer le plus beau à Boyana. À Boyana, non, mais le quoi, à Boyana, plus beau à la caca, un petit anime. Quoi, papa, alors, séance le pied, et quoi, papa, ben, à me coger, bien, à Hoye, soit, on ne va, on ne va, pas, y'a m'tova, pas que m'tova, quoi, un ami est sous le pied. Et m'sonne à soc bronné, ben, et n'est noir en amé, quoi, et donc, bravo, tanné. Babenem Joa, Maji Church Remanoi. Why effectivement comme Joa, Maji Church Rem Lei Quetokwa. Yangba Santina and Wan. Voamiba Kotokbale, and Mutu Amaka, and Kemiadu, and Jokusanaku Vino Miaducha, Gali dossier Pominuna. Oh, Kaka, Duvanina, the Vesses and Kaka, oh, Kaka, Yangba Teva Tuna of Chokaka of Chivati, and said 3 months. Then we see Ava Dinabe at the Mitula Huame. Voa, a Tony Leovode, Mamma Chale Ovode. Le. Le veut du bon yamé à Obe, ma va ou yota, yon baladin, yon 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 Ebe Kpenaro Akmes Atonti eye be on a dog bon abana ke gbe nyandu na Fifi ade klekbe Fifi ade klekbe dodora de ekwoku dodora gbe dodora ke mi le di poa mama nye va yom parce que nous les joiner yone de na kuku na be nyen gba le veju on be nyamu be hofeti be nu o le se na be ne kperu ntinye poa ele zan kakaka kwa gbere ka ke mauda va tronti nyanya e va yom ke be va yom kwa yo be abe yetu ahwenam le bagida. Alléluia. Nikoa. Alléluia. Amen, amen, amen. Ben. Ben le ho haya ben ya me fi ajiji. Ta icha ele kunyanga. Nke ni tonye a. Enye ni mama vi tutu gbane. Nke ni tonye a. Ya so do alo mena nke ngbo ya baku. Ye afia. Kwa ye be tu ahwe na le bagida kwa ye nku. Esro plevio. Mi ba ifu. Donc afunu mi le kaka bana fifi. Donc bon que tu as hoya et donc au garage ils vont découper tout va garage à elle est honte pas le mot va honte yo et derrière ben ma de kuna ma obe ma chaîne va alléluia voici qui en a Jésus c'est celle là alors tu peux acclamer très fort Jésus me kanye fioma me kanye fioma. Mekanye fioma. Alléluia. Amen. Miato chichia, ike subo vedu, fe blato vo via. Eglo lebe nyama, etapo nyama be. Be, nande keme la nyigba yaji, be u, Yesu. Amen. 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 Le papa qui venait de rendre témoignage, ce charlatan converti, venait de dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune puissance sur cette terre qui soit plus puissante que Jésus. Et le frère dit que depuis l'âge de 12 ans, il a toujours aimé les gris-gris. Il a toujours aimé les idoles. Et il fut un temps où depuis 12 ans,
il allait toujours au Bénin, parce qu'il est un natif du Bénin, il allait toujours au Bénin pour faire des gris-gris. Mais il fut un temps où il est allé recevoir carrément une idole qu'on appelle Kennessy. Et c'est une idole, la plupart des temps, qui réclame du sang. Et il dit qu'il était dans une seule chambre avec sa femme et ses deux enfants, et l'idole aussi partageait la même chambre qu'eux. Et il continuait ainsi sa vie lorsque finalement, il a connu deux amis intimes. Et ces deux amis l'aidaient ou l'assistaient à faire des cérémonies à cette idole appelée Kennessy. Mais malheureusement, les deux amis en question sont brusquement décédés. Et c'est lui seul qui restait et qui continuait toujours à faire des cérémonies à cette idole-là. Il dit que cela continuait ainsi lorsque finalement il a constaté que de temps en temps, sa femme et ses enfants tombaient malades. Et cela continuait ainsi. Et à chaque fois qu'ils vont à l'hôpital, les médecins disent que la femme est anémiée, les enfants sont anémiés. Et de temps en temps, les enfants ou toute sa famille étaient toujours anémiés. Un 31 décembre, il était dans sa chambre. Il avait capté une chaîne de télévision par hasard. Lorsqu'il est tombé sur un homme de Dieu qui prêchait l'évangile, il a été touché. Et depuis ce temps-là, il a décidé de finir avec cette idole de Kennessy. Et la même nuit, il a fait cette décision qu'il a partagée avec sa femme. Et il a dit qu'il va donner sa vie à Christ. Et puisqu'il avait décidé de finir avec cette idole, quelques jours après, il a décidé donc venir jeter cette idole-là dans les WC ou dans un WC traditionnel dans la maison de son grand-père paternel à Davier ou à Tchévier. Et c'est là, il a pris l'idole, il a pris un taxi et il a pris le chemin pour Tchévier afin de finir avec cette idole-là. Chemin faisant, l'idole s'est transformée en quoi, je ne sais, pour causer un accident. Mais le chauffeur a vu cela, le frère lui-même aussi dit qu'il a vu la manifestation de cette idole-là. Mais il était toujours déterminé à finir avec cette dernière. Et finalement, il est allé dans la maison de son grand-père et il a jeté l'idole en question dans la latrine, dans le WC traditionnel qui était dans la maison de son grand-père. Après cela, il est revenu à la maison. Revenu à la maison, il a constaté que les persécutions se compliquaient. La vie lui était devenue si difficile. Et un 31 décembre 2022, sa maman l'avait donc amené dans le camp ici pour assister à la séance de prière. Lorsqu'il était venu, il a assisté au programme jusqu'à la fin. Vers la fin, l'homme de Dieu avait donc appelé les nouveaux ou ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Et il était dans le lot. Et pendant tout ce temps-là, au moment où il avait jeté l'idole, il a constaté qu'il ressentait les menaces de l'idole dans son bras gauche. Et le bras gauche ne répondait plus correctement. Et lorsqu'il est venu ici, il est sorti pour recevoir Christ. Après avoir reçu Christ, il avait abordé l'homme de Dieu et lui a dit ce qu'il avait comme problème. L'homme de Dieu a prié immédiatement pour lui et a dit qu'après son départ, qu'il se trouve à une église charismatique ou une église évangélique et qu'il la fréquente avant de continuer par venir dans le camp ici. Et il a reçu cette parole et lorsqu'il est reparti, il a choisi une bonne église qu'il a commencé par fréquenter. Et pendant tout ce temps, il faut dire que son papa génétique vit à l'Occident et sa grand-mère aussi vit à l'Occident. Mais puisqu'ils ont constaté qu'il est un jeune qui aime vraiment les gris-gris et les idoles, ses parents ont dit qu'ils ne vont plus se mêler de ses affaires, de peur qu'il ne meure. Et il dit que depuis qu'il a reçu Christ, il a commencé par leur dire que maintenant il n'est plus dans les affaires d'idoles et gris-gris et tout ça, mais les parents ne lui comprenaient pas jusque-là. Lorsqu'il a commencé par fréquenter ce camp de prière et par fréquenter une bonne église, le Seigneur est allé toucher le cœur de ses parents et entre-temps, sa grand-mère l'a appelé pour lui dire « Voilà, je t'ai bâti une maison à Baguida. Quitte là où tu es, quitte le loyer et va dans cette maison-là. » Et actuellement, lui-même, sa femme et ses enfants, ils vivent dans cette maison. Les menaces démoniaques, les menaces de cette idole de Kennessy ont complètement disparu de sa vie. Et aujourd'hui, il tient donc à remercier le Seigneur, celui qui l'a complètement délivré de cette vie d'idolâtrie, qui l'a délivré de la mort et a permis à ce qu'aujourd'hui, lui-même, sa femme et ses enfants soient encore en bonne santé et bien portants. Quelqu'un acclame Jésus pour la vie du frère.
Acclame très fort Jésus pour la vie du frère. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je remercie Dieu ce matin. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Dieu a fait une grande chose dans ma vie. Mm-hmm. Moi, je fréquentais la catholique. Mm-hmm. Depuis 2019, oui. J'étais encore sur les bancs. Mm-hmm. Et puis, je souffrais de maux de hanches. Mm-hmm. Je n'arrivais pas à faire le sport. Chaque temps, si on veut faire l'espèce, moi je suis de l'écart. Je ne fais pas l'espèce. Et jusqu'à, je suis dedans comme ça, jusqu'à avoir mon bac. Mes activités agricoles, rien n'allait même pas. Puisque moi-même, je ne tenais pas la roue pour travailler. Le peu que je gagnais, je donnais les métiers, tout ça là. Et pour se faire soigner encore. Pour se faire soigner encore. Et je suis là, je dis, oh. Si vraiment Dieu est là, mm-hmm. quelle souffrance ça. Là, je dois laisser l'église, aller chez les marabouts, pour qu'ils peuvent me sauver ma santé. Mm-hmm. Puisque je souffre trop. Mm-hmm. Puis j'ai dit. Tu es allé chez les charlatans? Oui, je suis allé. Et ils ont fait jusqu'à. Ils sont fatigués. Viens ici, viens ici. Voilà, c'est bon. Ils ont fait fatigué. Et j'ai dit, là, je préférais. Aller à l'homme chez mon frère voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et tu es allé? Et je suis allé dans ce 2024 là, je suis parti chez mon frère à l'homme. Mm-hmm. J'ai pris le programme vraiment avec mon frère. Mon frère m'a dit de venir dans ce camp voilà. pour la prière. Je suis arrivé le mercredi après-midi. La soirée qu'on a commencé la prière, l'esprit m'a pris au milieu. Jusqu'à l'esprit m'a pris au milieu de la foule. Jusqu'à au milieu ici. Donc c'était une question de délivrance. De délivrance. Et après cela, je voyais une grande chaîne j'étais entouré par une grande chaîne. Et je faisais le tour jusqu'à les chaînes est tombée. Jusqu'à les chaînes est tombée. Boum. Moi, je comprenais le bruit. Et je me suis mis par terre. Voilà. Je voyais l'argent, les chèvres. Les chevaux venaient auprès de moi. Mm-hmm. Et je voyais en même temps, les maçons sont en train de construire. En même temps, on construit et on arrange. Yeah. Et j'ai dit, ce que l'ennemi a volé dans ma vie, ouais. que cela me revienne certainement. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je vais recevoir Dieu. Amen. Jusqu'à les jours de ma mort. Mm-hmm. Puisque j'ai trop souffert. Voilà. Et je suis venu dans ce camp. Et après la délivrance là, ouais. les douleurs de hanche là. Là où je suis ici là. Complètement guéri. Toute maladie que je souffrais là, je ne sens rien. Tout est parti. Tout est parti totalement. Alléluia. Je peux faire le sport. Tu peux faire le sport désormais. Alléluia. Alors acclame très fort Jésus pour la vie du frère. Ce matin, tu veux remercier le Seigneur. Oui, je remercie le Seigneur. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais faut faire bien. Après, na maou lendé ya ben. Cho epe akpe ve. Oui, assez que ya men. Ali dore va noidi. Ike webe. Emma ya inye sukuvi. Ali doa webe imagatem awo sporo. Kaka yeba ko back. Yeko back vom ebea yeba dene agble. Vo ali doa webe yeto imatem agale. Agble nu alo akpacha adagblo ye egavi ke no na isia ye chonan apato ye no anyena fefe sesena ikple ye be alidoa be ye no subo de me wa leke ye jagbagbale me be mawa tema yoto ivoto yo ya me fawa ye ba do tabuko gbo ye ye wole boko gbo kaka eglo ye ye va ide lome le fofo gbo lome ye va do le fe ya me ye yo fofu wa tona ebe ne ye vak povea mau aveye no mau ayotonai ye ebe kura gbe ye vado le wotrome le gbe dodo da mea ye ko katutu sese ade le ike me ye no katutu wa ho aye no popombe ude egaka alo chen grande alinai ye le katutu abe ko me kaka chena ege la linai ye nto ye se egbedidi ade ye be tome le katutu abe ko vome gbea
mia fofo abe leke ichite ya ye kpobe ye be alifo ni okata me ye to abe dolele alo ali dolele ka fi va etuaji nchokura gbea ma e yo dona ikenken vo nu ike ga doji jona ye nye be le katutu abe kokome ya ye kpobe egbo enyiwo uno ye gbo fam eye kpobe le katutu abe kokome le eima emaya uno afo tu eye ye no gbogbon be nu okata Futo finai efe gede onye yala le efe to ya di vava me kle katutu abe koko vome bea enu ya okata la atrozu yeto eye enye nu ke doji jona yintobe ye va to aji le majiji majiji me kwa ma udonku yeji ewo do ya ona ye ta nde ya ye va be ya va adakpene de amenu fefe do ya o ye ke owo le efe agbeme fasi kwena yesu de Acclame Jésus pour la vie du frère. Acclame très fort le Seigneur. Acclame fortement Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux voir la main d'une personne bénie. Jidoula de Basila. La main d'un victorieux. Alléluia. Amen. Nous allons évoluer avec une autre partie. Pour la nouvelle personne. Le Toyajia. Ici dans ce camp. Dasedidi okata miesea. Tous les témoignages que nous venons d'entendre. Okata ovato maunya sesekble bedodo dame. Tous ces témoignages sont venus à travers la prédication et la prière. Eye akpa ike miyaga dota enye maunya sesek emegbea miadogbeda. Et nous allons donc aborder la phase de la prédication. Et après cela, nous allons encore prier. Et notre foi nous rassure qu'après la prédication et la prière, Dieu accomplira encore des œuvres de grâce dans nos vies. Et dans la soirée, nous allons revenir avec les témoignages. Et ce matin, Dieu nous a fait grâce. Et nous avons notre chère maman parmi nous. N'allons plus trop tarder. Ce matin, celui-là que Dieu va utiliser pour nous nourrir dans sa parole et nous diriger dans la prière, c'est notre maman, évangéliste Ama Sidoni. Ama Sidoni, nous m'en vis. Et sous vos acclamations, nous allons donc la recevoir. Amen. 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 Oh, amen. 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 Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Acclame, acclame le Seigneur, fais-le. Amen. 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 Éternel Dieu, une fois encore, nous te disons merci. Merci pour tes œuvres ce matin. Je saisis en même temps de cette occasion pour remercier le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, Paul Dodji Numonvi. Et si je suis devant vous ici ce matin, c'est lui qui me donne cette opportunité. Alors, où il est ce matin, que Dieu lui saigne les reins, qu'il l'accorde une nouvelle onction et qu'il renouvelle sa force comme celle de l'aigle. Oh, glanambe, amen. Réponds, amen. Il a vivement désiré ce matin
atso enyanyela ana etoji nolao eye waga kpla o le gbedodo dami. Être disponible au Seigneur pour que le Seigneur l'utilise pour transmettre sa parole et à travers lui qu'il puisse encore diriger la prière. Vole kakade o taye mete nomia domendike nyo. Mais pour certaines préoccupations, il n'est pas parmi nous ce matin. Mais si Jésus ne revient pas à 18h, il serait question de sauf qui peut. Je dis, il serait question de sauf qui peut. Demande à ton prochain, serait-il là? Vas-tu accuser de retard ou serais-tu là avant son arrivée? Quelle est sa réponse? Il dit qu'il sera là avant son arrivée. Alors vous êtes bénis ce matin. Vous êtes bénis ce matin. Amen. Amen. Je remercie Dieu pour la vie de la plateforme. Que Dieu les soigne et qu'il les saigne les reins. Mes chers papas, ici à ma gauche, de même pour mes chères mamans ici à ma droite, les serviteurs de Dieu, les personnes distinguées, diaconèses, diacres et anciens, pasteur, maman, pasteur, vous êtes bénis ce matin. Le Seigneur vous bénit ce matin. Mes chers frères et sœurs, mes chères mamans parmi les gens, je dis vous êtes bénis. Le Seigneur vous bénit. Les bonnes œuvres que Dieu a accomplies, nous venons d'entendre les témoignages ce matin. Maintenant, c'est ton tour. Je dis ce matin, c'est ton tour. La façon dont Dieu a aimé ses frères et il a accompli des mystères dans leur vie. De même, il t'aime aussi. Il accomplira un mystère dans ta vie ce matin. Il changera l'histoire de ta vie ce matin. Et toi-même, tu deviendras un témoignage. Amen. Réponds-moi, Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu et rentrer dans la prière, inclinons-nous d'abord dans la prière.
Oh,
C'est toi l'Éternel qui le mérite. Parce que nous voyons l'amour que tu nous témoignes. Nous voyons la grâce que tu nous donnes. Et nous voyons les grandes œuvres que tu accomplis dans nos vies. Éternel, merci à toi. Père, merci à toi. À présent, l'heure a sonné. À travers ta parole, tu puisses parler à tes enfants. Papa, Père, depuis les âges, avant de parler, c'est des personnes que tu utilises. Et ce matin, puisque toi-même tu peux descendre, il t'a plu de nous utiliser pour accomplir de grandes choses. Père, nous nous confions à toi. Que nos dignités disparaissent ce matin. Et que ton esprit prenne le dessus. Reviens à nous de bonnes choses ce matin. Et pendant que la parole sort, et qu'elle délivre, et qu'elle libère, et qu'elle bénisse. Papa, Père, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Viens parler, tes enfants sont Amen. À l'écoute. Amen. 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 Alors ce matin, Dieu est encore prêt pour accomplir des mystères parmi nous, pour élever quelqu'un ce matin, pour libérer quelqu'un de la honte ce matin et les larmes que quelqu'un traîne aux yeux. Avant d'avoir ses pieds dans le camp ici ce matin, il est prêt pour enlever ses pleurs et larmes jusqu'à ce que nous répondions Amen. Tu repartiras avec joie. Tu repartiras avec bénédiction. Tu repartiras avec paix. Cela s'accomplit dans la vie d'un enfant de Dieu ce matin. Amen. Réponds Amen. Humblement, nous allons prendre nos Saintes Écritures. Et nous allons lire dans 2 Samuel. 2 Samuel 10. 2 Samuel chapitre 10, les versets 18 et 19. Samuel est venu. Ta wo kukui eni va seri a shekia. Mais de kuku no kwene yo vogbe a me wa hne nam gban. Nous lisons dans 2 Samuel le chapitre 10, les versets 18 et 19. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël, et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Le verset 19. Tous les rois donc soumis à Hadarézer, se voyant battu par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Ammon. Amen. Amen. Samuel et Velia et à Améo, Pupuyeni, Pleuia Shekia. Afimania, les nous les que Aram to aussi le Israël nous. Eye David ou ta siadam menolao alafa adren. Ble soado lao akpe bla enne le aram to domi. Eye ou de abi wope avafia sobas Eye okure afima. Bukwiwi ashekia. Esifia. Siokatanye. Hada desert tevio. Bobena. Israel vio siola.
wo wo nti fafa pe Israel eye wo subo wo eye aram to de asi vovon mi azon na pepede amon vionu. Amen. 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 Ndi kenyi ya metota nyana mau nyanya be. Ce matin, j'intitule mon message. Nsensi ako adu wo futo oji. Puissance ou pouvoir pour vaincre tes ennemis. Mau anna ole ndi kenyi ya. Dieu te donnera ce pouvoir ce matin. Oh, mebe apetola anna ole ndi kenyi ya. Le Seigneur te donnera ce pouvoir ce matin. Ce que nous venons de lire ce matin, c'est une bataille que l'Éternel Dieu a menée à travers notre aïeul David. Et Dieu, à travers cette bataille, a donné victoire aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qui avait donc entraîné cette guerre, cette bataille? Et cette bataille a lieu entre quel peuple et quel autre peuple? Il y a un peuple qui est appelé le peuple des Ammonites. Et ce peuple, est issu de la deuxième fille de Lot. David, plaît Israël du quoi? Est également issu de David. Cela a lieu entre ce peuple-là et le peuple de David qu'est Israël. Il arriva donc. Que le peuple élu de l'Éternel Israël, que l'Éternel lui-même s'est choisi, Dieu était du côté de ce peuple. Il leur a promis donc que personne ne les vaincra lors de leur bataille. S'il arrivait qu'un peuple les affrontait et arrivait donc à les vaincre, alors cela n'émane pas de lui l'Éternel. Cela viendrait d'eux-mêmes. Ce qui veut dire que lorsque le peuple va commencer par commettre le péché, lorsque le peuple va commencer par désobéir à l'Éternel, lorsque le peuple va se détourner des commandements de l'Éternel, l'Éternel dit qu'il se détournera également d'eux. Et il va donc leur livrer à leur ennemi. Mais si eux, ils observent ses commandements et sont dans sa volonté, il les rassure qu'il est avec eux. Et tous ceux qui se lèveraient contre eux, ils vaincront la chose. Peuple de l'Éternel, ce matin est que l'Éternel est de ton côté, ton Dieu est de ton côté, et ce qui t'incombe, c'est de rester dans la parole de l'Éternel, c'est de mettre en pratique les commandements de l'Éternel, et je te rassure. Que ceux qui sont de ton côté, puisqu'il est de ton côté, tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours béni. Spirituellement comme physiquement. L'Éternel t'élèvera en toutes choses. Et on verra sa gloire dans ta vie. On verra sa grandeur dans ta vie. Amen. Réponds Amen. La Bible déclare, le peuple des Ammonites, il y avait un roi à la tête de ce peuple qui est appelé Shabak. Et ce roi, David,
David dit, entre-temps, ce roi lui avait exercé une bonne œuvre. Eye efia mahasia. Eva va mebe Eva ku. Et ce roi mourut. Ya le fia ya be ku megbia. Et après la mort de ce roi, Evia va hode tepe. Son fils avait donc pris sa place. Ye Evia ya ike hode tepe. Son fils qu'il avait donc succédé. Ya ben kwani Hanun. Et Hanun. Ye Eva mebe David se. Mahas be kuya. David avait appris la mort de Mahas. Il dit ah. Mahas ya. Mahas. Il m'avait exercé sa bonté. Il m'avait exercé une bonté. Et il mourut ainsi. Si tel est le cas. Mes serviteurs, je vais vous envoyer dans la maison funèbre. Et vous irez présenter mes condoléances à la famille et pleurer surtout à son enfant qui le succède. Qui est Hanun? Et la Bible déclare que ces envoyés de David sont arrivés dans la maison funèbre. Le roi les avait reçus et les avait donné de siège. Ils étaient assis. Et le roi leur a demandé ce qu'ils ont apporté comme nouvelle. Et à eux donc de dire au roi, c'est comme ça notre roi, le roi d'Israël, David, a appris donc la mort qui vous a frappé. Il a vivement désiré participer à cette cérémonie d'enterrement. Mais à cause de ses préoccupations, il nous envoie de vous présenter ses condoléances. Les envoyés, après avoir pris la parole, Bible Maha Supevi. Hanun yike le do eto atepea yabenti meo wodasi nu popoklime. La Bible nous dit que les collaborateurs, les notables de Hanun, celui qui succédait son père, ses collaborateurs avaient commencé par parler donc avec lui. Elabe gama me amedodo oli wawa de pavi. Parce que les envoyés étaient encore là lorsque eux autres étaient mis un peu à l'écart. Et pendant qu'ils s'étaient mis à l'écart pour parler, les notables de ce roi qui venait de succéder son père disaient donc, est-ce vrai que David ait envoyé des gens pour venir te présenter leurs condoléances? Ou bien les a-t-il envoyés pour qu'ils viennent espionner notre territoire et après leur départ, ils vont nous livrer la guerre? Lorsqu'ils ont dit ceci à ce roi, il n'a même plus médité à ce sujet. Immédiatement, il a ordonné à ce que les envoyés de David soient saisis. Et que leur barbe soit rasée à moitié. Comme vous voyez la barbe de l'interprète. On rase un côté et on laisse l'autre côté. Et leur manteau qu'ils avaient porté à la poitrine de leur habit, le devant ou la poitrine a été déchiré. Et cela a été fait ainsi aux envoyés de David. Et on leur a libéré de repartir. Et ce qui est ainsi arrivé aux envoyés de David était devenu une lourde honte qu'ils traînaient. Ils ne pouvaient pas retourner en Israël avec leur barbe à moitié rasée et avec leur chemise déchirée. Et chemin faisant jusqu'à destination, vous même imaginez la façon dont ils seront humiliés en route. On dit cette nouvelle avait donc parvenu David.
C'est ainsi que les Ammonites ont traité tes envoyés que tu as envoyés chez eux. David ayant appris cela, il leur a conseillé d'aller à Jéricho parce que la localité n'était pas éloignée de Jéricho. Et dire cela jusqu'au moment où leur barbe ne pousse et ne ressort avant qu'ils ne rentrent. Et cela a été une honte qui a été jamais. Est devenue une honte qui est descendue sur David lui-même et ses envoyés. Tu n'as commis aucune erreur, aucun péché. Mais actuellement, tu traverses une difficulté de honte. À cause de la bonté que tu as exercée, c'est la raison pour laquelle tu traverses des difficultés. Je te rassure ce matin que le Seigneur va te délivrer de tes difficultés avant que l'ennemi ne continue par menacer ta paix intérieure. Avant que l'ennemi ne veuille que tu ailles de difficulté en difficulté. Quand tu ailles de souffrance en souffrance. Quand tu ailles de diffamation en diffamation. Je te rassure ce matin. Que si ces envoyés ne sont plus retournés chez eux avec honte. Toi aussi tu ne périras jamais dans ta honte. Ton Dieu te délivrera certainement. Amen. Réponds amen. Et la Bible nous dit, après toutes ces choses, les Ammonites eux-mêmes ont su que parce qu'ils ont se sont comportés ainsi à l'endroit de David et du peuple d'Israël, ils sont devenus ennemis du peuple d'Israël. Et c'est ce qui va maintenant pousser le peuple d'Israël à leur déclencher la guerre. Le méchant pense que il est en train de te maltraiter. Lorsque le Seigneur t'a amené dans ce camp, c'est du bien qu'il t'a fait, ce méchant. C'est du bien qu'il t'a fait. Premièrement, ton Dieu va les affronter. Et après cela, Dieu te mettra dans ta bénédiction. Dieu te mettra dans ta victoire. Et ton histoire changera. Amen. Réponds amen. Et la Bible déclare, eux-mêmes s'étaient préparés. Et ils ont invité le peuple d'Aaron. Ils ont invité donc les Syriens de venir les appuyer. Afin qu'ils puissent affronter Israël. Vous aviez provoqué quelqu'un. Et vous allez encore chercher des gens, des alliés pour vous aider à affronter ce peuple. Tu as provoqué quelqu'un. Et maintenant, tu fais appel aux alliés de venir t'appuyer pour que tu affrontes celui-là que tu as provoqué. La question est celle-ci. Peux-tu vaincre? Non, tu n'as pas raison. C'est toi qui as provoqué. Et maintenant, tu invites des gens à venir t'aider pour que tu ailles affronter celui-là que tu as provoqué. Si vous allez, vous allez toujours revenir avec honte. Vous allez revenir avec honte. Tes persécuteurs seront confus. Les complots contre toi, ton Dieu va disperser leurs complots. Ton Dieu écrasera leurs complots. Ton Dieu révélera sa puissance dans ta vie afin qu'il sache que tu as vraiment un Dieu. Ainsi cela s'accomplit dans ta vie ce matin.
Et la Bible affirme que ces Syriens-là étaient venus. Et David, David aussi ayant appris. Ils allaient solliciter les Syriens de venir l'appuyer à affronter donc Israël. Israël n'avait invité personne de venir l'appuyer. Parce que l'Éternel est de son côté. Il est l'Éternel des armées. Il est le vaillant des armées. Il est invincible. Et lorsqu'il va sur le champ de bataille, il revient toujours avec victoire. Je dis s'il va sur le champ de bataille, il revient toujours avec victoire. Tu es le fils de cet Éternel. Tu es le fils de ce Dieu. Toute bataille livrée contre toi, que ce soit de ta famille paternelle ou maternelle, parmi tes amis, dans ton marché, dans ton service, où qu'il en soit, l'Éternel Dieu vaincra cette bataille pour toi. Et toi, tu ne périras pas dans cette bataille parce que tu es le fils de vainqueur. Il est celui-là qui est invincible. Lui qui ordonne le jour se lève. Sur le champ de bataille, s'il ordonne, tous tes ennemis seront à terre. Et c'est ce combat que nous allons faire ce matin. Que la puissance de l'Éternel des armées vienne sur toi parmi les gens. Afin que les démons qui affrontent ta vie et qui ne veulent pas te donner la paix, qui menacent ta bonne santé, qui menacent la bonne santé de ton épouse et de tes enfants, que le projet de Dieu pour ta vie ne va jamais s'accomplir. Que la puissance de ton Dieu vienne sur toi. Que l'esprit de ton Dieu vienne sur toi. Afin que tu écrases tes ennemis. Afin que tu disperses leur réunion. Afin que tu disperses leur pouvoir. Afin que tu puisses disperser leur complot. Spirituellement comme physiquement. Fait que la victoire t'appartienne. Amen. Reprends-moi, amen. Ainsi, Togbe David Seigneur Nénéa. Le roi David ayant appris cela, et tiens, quand les taux les Israël du quoi, il a à chercher donc les vaillants dans le peuple d'Israël. Et avait placé Joab à leur tête comme guerrier ou celui qui va diriger le cortège. Et les autres, et Abisai donne nao, yawo tonao be, miao ya mire aram togbo, miao ja mire amon togbo. Et il leur a divisé en équipes et leur a dit, vous allez vers les Syriens et vous allez vers les Ammonites. Et ces deux dirigeants des deux cortèges s'étaient concertés. Si l'Éternel vous livre les Syriens, vous allez revenir nous appuyer. Si l'Éternel nous livre les Ammonites, nous aussi nous allons revenir vous appuyer. Ils se sont réconfortés de cette manière. N'ayez pas peur. Nous n'aurions pas peur. L'Éternel est de notre côté. Il nous livrera notre ennemi. L'Éternel est de ton côté ce matin. Tout genre d'esprit qui se lève contre ta vie, l'Éternel te livre ses démons. L'Éternel te livre ses esprits. Les esprits de sorcellerie, les démons de serpents, les esprits de Kennessee, les esprits de tout genre qui affrontent ta vie, puisque l'Éternel te le dit, va vaincre cet esprit ce matin.
Adou Gbagbayaji. Tu vaincras cet esprit ce matin. Dodorame. Par ta prière. Gbagbayabo ma no sera de peu. Cet esprit qui t'empêche de rester au foyer comme Judas. Cet esprit qui t'empêche de te marier. Cet esprit qui ne veut pas que tes enfants réussissent. Cet esprit qui ne veut pas que ses enfants réussissent. Il met en eux la rébellion. Il met en eux l'adultère, la fornication. Il met en eux l'ivrognerie, le tabagisme. Et ce matin, ton Dieu te livre ses esprits. Tu les combattras dans ta prière. Et tu les vaincras dans ta prière. Reçois ta victoire ce matin. Reçois ta victoire ce matin. Reçois ta victoire ce matin. Blaname, amen. Réponds amen. Assois-toi doucement. Amen. Amen. Eye Bible ava. Eje gomi. La Bible déclare que la bataille a commencé. Aleike ava nuva lese sema. Vu la complication de la bataille, aramto ova si le Israël vium. Les Syriens ont fui les enfants d'Israël. Aussi et aussi. Et lorsqu'ils ont fui, autre bagwa renfort, autre yo ameyo le tosisi abe gokemejibe woneva pere yo onsi ne yo agbaya vaji. Ils ont fait appel au renfort et ils ont appelé ceux qui étaient de l'autre côté du fleuve de venir les appuyer pour la suite de la bataille. Et renfort a tchangava. Et lorsque le renfort est aussi arrivé, ce qui a commencé, c'est la même chose qui continue. Et le renfort aussi a fait demi-tour. Et misérablement pour eux, David ou Aramenolao Alofa Amandre. David a tué 700 Syriens. Amen. Amen. Ta frati, ta siadam menolao, ameyole, esoji, ta siadam. Obe ou alofa amandre le wadomi. 700 cavaliers ont été tués. Eye, afo ameyole so afoa. Ou ame, akpe. Blané les wadomi. Ceux qui allaient à pied, 4000 ont été tués parmi eux. Alléluia. 40000 plutôt ont été tués Amen. Parmi eux. Blané. 40000 ont été tués parmi eux. Yo oh Israël, yo ou les enfants d'Israël les avaient éliminés parmi les enfants d'Israël. Et en plus c'est 700 personnes. Et les akpe blané ple alofa mandre. Ça fait 400 700 personnes. Le ava yo wo zerekame. Alors d'une seule bataille. Yo ama utso e via obe futo cho dasina via o. L'Éternel Dieu a livré à ses enfants leur ennemi. Ni akpo ma wo idomi klo be pepe meda. Imaginez un peu la grandeur du Dieu que nous servons. Ni akpo ma wo ibe viminye. Imaginez la manifestation de la puissance de Dieu que nous connaissons. C'est ce Dieu-là que tu suis. Hein? Oui, c'est ce Dieu-là que tu suis. Alors ce que tu traverses actuellement, considère que ton Dieu est plus grand que la chose. Ton Dieu est plus grand que la chose. Et puisqu'il est plus grand que la chose, il te donnera la victoire. Tu recevras ta victoire. C'est ce midi même. Lorsque nous allons nous lever et commencer la prière, tu auras la victoire. Le mal dont tu souffres. Et on t'a dit qu'il n'y a pas de médicament capable de te guérir. Que quiconque souffre de cette maladie est destiné à la mort. Je te dis ce matin, ce Dieu que tu suis, il guérit même les maladies mortelles. Il avait guéri les maux de cancer dans la vie du roi Ézéchias. La maladie dont souffrait Ézéchias, c'était le cancer. Lorsqu'on lui a envoyé quelqu'un pour lui dire qu'il ne va plus guérir, qu'il va mourir, la
La Bible nous dit qu'il a fait face à son mur. Et il a commencé par prier. Oh, Yehovah. Oh, Éternel. Regarde les bonnes œuvres que j'ai accomplies pour toi. Vas-tu me laisser mourir dans cette maladie? Éternel, je crois en toi. Cette maladie ne me tuera pas. Je me relèverai de cette maladie. Et la Bible nous dit que miraculeusement, il a été guéri de sa maladie. Il a été guéri de sa maladie. Cette maladie-là ne te tuera pas. Femme, cette maladie ne te tuera pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Car le Dieu chez qui nous sommes venus, il est la source de vie. Oh, amen. Amen. La Bible affirme. Hey, wow. Lorsqu'ils ont tué tout ce nombre de personnes, amen, mamla, wow, si, yo. Les restes ont fui. Même le chef de leur armée, David avait tiré sur lui, il est tombé, il est aussi mort. Et c'est ce passage-là que nous avons lu dans les 18e et 19e versets. Que les Syriens ont fui devant le peuple d'Israël. Et pendant ou après qu'ils aient fui, alors ceux qui étaient soumis au roi Hadarézer sont venus s'assujettir au peuple d'Israël. Tes ennemis feront la paix avec toi. Ceux qui cherchent ta rune, la rune de ta femme et de tes enfants, qui souhaitent la mort de ta femme et de tes enfants, et ton Dieu te les révèle dans tes rêves. Il y en a de ses ennemis qui te le disent face à face. Ne dis pas ta prière. Lorsque ton Dieu va commencer par les menacer, ils reviendront faire la paix avec toi. Ils reviendront faire la paix avec toi. Cela s'accomplit ainsi dans la vie de tes ennemis ce matin. Amen. Réponds Amen. Et la Bible déclare, ils ont servi les enfants d'Israël. Ils ont peur de s'associer aux Syriens ou aux Ammonites pour venir livrer la bataille contre les enfants d'Israël. Que l'Éternel Dieu mette sur toi sa crainte et les démons qui torturaient ta vie. Les démons qui torturaient ton foyer conjugal. Les démons qui torturent ton commerce. Lorsque l'Éternel t'accordera sa crainte. Lorsque l'Éternel va te protéger par son feu. Eux-mêmes, ils diront cette femme et ses enfants. Nous ne sommes plus dans leur affaire. Nous nous retirons de leur affaire. Cela s'accomplit dans ta vie ce matin. Et que tes ennemis se retirent de tes affaires. Que tes ennemis se retirent de tes affaires, toi et tes enfants. Que les sorciers se retirent de vos affaires. Au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons prier. Je ne sais quelle bataille est livrée contre toi.
Je sais les démons auxquels tu as été livré. Ils sont en train de torturer ta vie. Tu as fait le commerce, ça n'a pas marché. Tu as fait le commerce, ça n'a toujours pas marché. Tu as fait l'agriculture, ça n'a pas marché. Tu as appris un métier, tu as ouvert un atelier, ça ne marche toujours pas. Le mariage que les gens font, ils sont dans la paix, la tranquillité. Toi aussi, tu t'es marié. Mais actuellement, tu as envie de quitter le foyer conjugal. Parce que ton foyer est comme un calvaire, un enfer. Jeune fille, malgré ta beauté, Dieu a formé un grand projet pour ta vie. Mais les démons ne veulent pas que tu aies la paix. Et lorsqu'ils t'introduisent une maladie aujourd'hui, demain c'est une autre maladie qui t'introduit. Après demain, c'est d'autres maladies qui se produisent dans ton corps. Et actuellement, tu es appelé maladive. Alors ce matin, nous allons prier. Nous sommes de toute ta puissance qui torture ta vie. Lorsque nous allons commencer par prier, affronte-les. Je dis affronte-les. Ta victoire est déjà garantie pour toi. Parce que Jésus a déjà vaincu pour nous. Et il nous demande de marcher dans sa victoire. Il nous reste simplement que ce que nous avons comme problème, que nous puissions le dire à Dieu dans la prière. Dans notre foi. Et par la assurance. Je te rassure. Amen. Jusqu'à ce que nous disions amen. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Dieu se révélera dans ta vie. Amen. Réponds amen. Israël, les enfants d'Israël, ils avaient la foi qu'ils ne vont inviter personne. Mais le Dieu qu'ils servent, le Dieu de leurs grands-parents, ce Dieu qui les a conduits de l'Égypte et qui a traversé la mer Rouge avec eux, et qui les a conduits, ils ont traversé le Jourdain, et qui a combattu le peuple d'Aï devant eux, et qui a combattu le peuple de Jéricho devant eux. Ils croient en ce Dieu. Et ils disent que c'est ce Dieu qui va les conduire. Ils iront sur ce champ de bataille. Et ils sont convaincus qu'ils ne seront jamais conduits. S'ils vont, ils reviendront avec victoire. Et si tu crois en ce Dieu, et tu lui adresses ta prière ce matin, il combattra devant toi. Il combattra derrière toi. Il combattra de gauche comme de droite pour toi. Et ce que tu cherches avant d'avoir tes pieds ici, il te le donnera. Il te le donnera. Il te le donnera. Reçois ta victoire ce matin. Reçois ta bénédiction ce matin. Que la honte et l'opprobre redescendent sur tes ennemis. Que l'Éternel bénisse son peuple. Si vous n'allez pas vous fâcher contre moi, nous allons tous nous lever. Repète, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Tu as été du côté d'Israël. Et lorsqu'il est allé sur le champ de bataille, il n'est pas revenu avec honte. Il est revenu avec victoire. Pour cela, ce matin, Éternel, viens rester de mon côté. Pour que la prière que je ferai ce matin, que la victoire soit mon partage. Que la victoire soit mon partage. Prie maintenant. Que Dieu soit de ton côté. Que Dieu soit de ton côté. Après que la prière que tu lui adresseras ce matin, qu'il puisse exaucer ta prière. Et qu'il puisse se manifester à travers ta prière. Et tout ce qui se lève contre ta vie, que la chose puisse quitter ta vie ce matin. Que la chose puisse quitter ta vie ce matin. Alors que le Saint-Esprit reste à tes côtés.
Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit invite le. Si wa ya be Yesu Amele mi asi Si wa ya be Yesu Amele mi asi Si wa ya be Yesu O ya be Yesu Joshua, my way, I go. Oh.
tête, Seigneur Jésus. Gbogbo si agbogbo. Tout genre d'esprit. Esi kan so etonye be po mimi. Qui vient de ma famille paternelle. Enonye be po mimi. De ma famille maternelle. Po meike me me va de sranle. De ma belle famille. Halanye otome. Parmi mes camarades. La vie me wana dole. Là où je travaille. Le avis me donna sile. Là où j'étale mes marchandises. Le avis comme me haya hale. La maison dans laquelle j'ai loué. Yo banko akbenye la. Et ils affrontent ma vie. Yehowaye. Éternel. Banko onam dokusuya. Affrontez-les-moi ce midi. Banko onam fifila. Affrontez-les-moi maintenant. Banko onam. Affrontez-les-moi. Banko onam. Affrontez-les-moi. Makambara baba. Makambarandaya. Dieu les affronte. Il pense que. Il pense que c'est fini pour toi. Il pense que. Il y a plus autrement pour toi. Ils ont menti. Tu as un Dieu. Il y a un Dieu de ton côté. Son nom est l'Éternel des armées. Et tu t'es dans Kusuya. Ce midi, il intervient dans ta bataille. Le apeu wame, dans ta maison. Elle est wavale afima. Il combat là. Elle est wavale afima. Il combat là. Oh, hayaira olasio. Ils ont arraché tes bénédictions. Elle est wava. Il combat. Hawaiira. Reçois ta bénédiction. Hawaiira. Et que l'ennemi lui est arraché. Que les sorciers l'ont arraché. Que les esprits de serpents l'ont arraché. Que les sirènes l'ont arraché. Récupère-les dans la prière. Et non, non, il est béton. Et maman, priez maintenant. Oh, mais tu veux dire qu'à Hodjo. Je voudrais que vous priez plus fervent. Bah, Hodjo, les béton dans la main. Priez beaucoup plus fervent que ça. Hodjo, les béton dans la main. Priez beaucoup plus fervent que ça. Le Tokusuya. Ce matin. Yaira Odolakba. Ta bonheur doit revenir. La maison Odolakba. Ta bonne santé doit revenir. Et vieux Odolakba. Tes enfants doivent revenir. Mariage Odolakba. Jesus. Nous avons prié au nom de Jésus. Le Seigneur te donne la victoire ce matin. Le Seigneur te donne la victoire ce matin. Et vous priez que Dieu vous bénisse. Et je voudrais que vous soyez beaucoup plus fervent dans la prière. La bataille qui a lieu ce jour-là. Et 400 700 personnes sont mortes.
Je ne pense pas que cette bataille-là serait aisée. Ava nous le dit, ce serait une bataille rude. Toi-même, imagine un peu la scène. Il était question d'une bataille physique. Mais la Bible déclare que les démons ou les esprits que nous autres nous combattons nous sont invisibles. Et c'est une bataille spirituelle que nous faisons. Je voudrais que tu pries et que tu sois encore fervent dans la prière. Les esprits de tout genre qui ne veulent pas que tu aies la paix dans ta vie, qui ne veulent pas que tu aies la paix du cœur, que la bénédiction que Dieu t'a donnée, que cette bénédiction ne va jamais porter cher, que la bénédiction ne va pas porter cher dans la vie de tes enfants ni dans la vie de ta femme. Et vous êtes toujours dans la misère, vous êtes toujours dans la souffrance, vous êtes toujours dans la pauvreté. Que tes yeux rougissent dans la prière. Répète, Seigneur Jésus, toute ta puissance qui se lève contre ma bénédiction. Ils ont menti. Ce matin, combat et restitue-moi ma bénédiction. Combat et restitue-moi ma bénédiction. Combat et restitue-moi ma bénédiction. Priez maintenant. Priez maintenant. Priez maintenant. Tout genre d'esprit qui détruit ta vie. Qui conteste tes prières. Dans la prière. Écrase-les maintenant. Écrase-les. 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 Tous les envoyés contre toi et qui sont dans ce camp, qui sont ici à cause de toi, qu'ils soient vaincus, qu'ils soient vaincus, qu'ils soient vaincus. Priez maintenant. Mais papa, priez. Ma maman, priez. Ma soeur, priez. Priez maintenant. Priez maintenant. Priez maintenant. Priez maintenant. La bataille s'enclenche. Avatja. Bataille en cours. Avatja. Bataille en cours. La femme. Brakataya. Le doji. Sur, dans les forêts. Le baba sur comme. Les montagnes, dans les termitiers. Le doji siome. Dans les rivières. Bakba kokole wava. Le Saint-Esprit combat. Bakba kokole wava. Le Saint-Esprit combat. Maoube goussale wava. La puissance de Dieu combat. Togo le babla me. Sors des liens. Togo le babla me. Sors des liens. Azobe babla. Le lien des sorciers. Mabiobe babla. Lien des sirènes. Fipodebe babla. Malédiction. Togo le befifila. Sors de ces liens. Bakba kokole de to. Le Saint-Esprit te libère. Bakba kokole de to. Le Saint-Esprit te libère. Togo la nako yairao. Prie et reçois ta bénédiction. Togo la nako la mese. Prie et reçois ta bonne santé. Togo la nako viwa. Prie et reçois ton enfant. Togo la nako mariage wa. Prie et reçois ton mariage. Bedodona. Prie maintenant. Bedodona. Prie maintenant. Bawo ti me nyawone. Dis-lui tes problèmes. Dis-les-lui. Quelle bataille traînes-tu? Que traverses-tu? Dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Il est prêt pour te libérer ce matin. Il est prêt. Et ce que tu cherches, tu le recevras ce midi. Il est prêt pour combattre pour toi à la maison. Il est prêt à te donner le mari ou ta femme. Makambarababa. Rambayano. Jarabababababa. Rababarabarabarabarabara. Kobarabababababa. Rababarabarabarabara. Suriandalababe. Hebrandababarabarabara. Raikabarabababababa. Santarabaya. Mama, 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 mama.
Zendaleka Mandorobo Shata. Nous avons prié au nom de Jésus. Reçois ta victoire maintenant. Le Seigneur te donne la victoire. Ton Dieu te donne la victoire. Alors reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. La victoire sur tes ennemis. Victoire sur les sorciers. Victoire sur les maladies. Victoire sur la pauvreté. Reçois-la. 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 Ton Dieu te le donne. Le Seigneur te le donne. Reçois la victoire maintenant. Reçois ta victoire maintenant. Reçois ta victoire maintenant. Kambara babi. Lenda la baboria. Mika tanya gere kanjiti yami. Nous allons tous chanter. Aba fia yehowa. Yehowa ye.
Nous invoquons cette puissance maintenant. Qu'elle descende dans ce temple. Afin que toute maladie se trouve dans le corps de quelqu'un. Ici dans ce temple. Que ces maladies plient bagarre. Que les maladies plient bagarre. On est porté à bas, fifi là. Qu'elles plient bagarre maintenant même. Dans le lot de Dieu, le mouti là, homme. Que les maladies quittent les corps. Dormant dans les léos. Chasse les maladies. Dormant dans les léos. Chasse les maladies. Et ton barabada de siade. Toutes dangereuses maladies. Et si tu as les amènes, ben tu la mets. Qui se trouve dans le corps de quelqu'un. Le porté à bas, fifi là. Qu'elles plient bagarre maintenant. Le porté à bas, fifi là. Dans le de Dieu, les maladie la maladie quitte ton corps. Reçois la guérison. La puissance de Dieu te guérit. La puissance de Dieu te guérit. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Soulève ta béquille.
au nom de Jésus. Session sous toutes ses formes. Effet doudou. Endettement. Avec ton énergie doudou. Le Seigneur te révèle. Avec ton énergie doudou. Le Seigneur te donne la victoire. Awoji doudou. Reçois ta victoire. Awoji doudou. Reçois ta victoire. Awoji doudou. Reçois ta victoire. Abaraba sokataya. Le branda baika. Ekunezo agbena. Que la mort te soit transformée en vie. Que la mort te soit transformée en vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Une minute. Veuillez vous asseoir. Wow, dosiawo, adosiawo, wow, wow, Seigneur Jésus, écoute si toute catégorie de mort si que tu as me vodiogba qui émane des méchants dernier agbenti contre ma vie et soigne que vigne au bagbenti contre mon épouse et mes enfants Jehovah éternel wava combat wavana combat pour t'aime le coussiassime libère moi de cette mort libère mon épouse et mes enfants de cette mort. Crie maintenant toute mort prématurée qui émane de l'ennemi, qui émane des méchants contre ta vie, contre ton mari et ta femme et tes enfants. Cela n'aura pas lieu. Qui est anéanti ces morts. Shara ba 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 ba
Le feu les consomme. Le feu les consomme. Invoque le feu sur la mort. Feu sur la mort. Feu sur la mort. Bénédiction dans le tombeau. C'est pendant que vous êtes vivant que vous la gérez. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bonne santé. Jesus. Londo robo yande. Makambo robo soka. Rakomba lendaika. Nous avons crié au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Maintenant même, la puissance de Dieu est plus grande que ton problème. Elle est plus grande que ton problème. C'est en quoi tu te trouves. Et tu as tes pieds dans ce camp ici en ce moment. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Pour cela maintenant même. La puissance de ce Dieu est descendue maintenant. Pour te libérer de ta difficulté que tu traînes. Cette puissance est là. Cette puissance est là. Je dis cette puissance est là. Ma chère maman, en quoi est-ce que tu te trouves? Mon cher papa, en quoi te trouves-tu? Mon frère, en quoi te trouves-tu? Ma soeur, en quoi te trouves-tu? Maintenant même, j'envoie le Saint-Esprit vers toi. Je t'envoie le Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi dans ce temple. Localise-les-moi maintenant. Localise-les-moi maintenant. Localise-les-moi maintenant. Ceux qui sont liés et qui sont dans les liens. Les liens des méchants. Lien des charlatans. Lien des sorciers. Lien des esprits de serpents. Lien de malédiction. Saint-Esprit. Localise-les-moi. Ici dans ce temple. Maintenant même. Maintenant même. Saint-Esprit, manifeste-toi. Le lien dans lequel tu es, ça n'est assez avec ces liens. Ça n'est assez avec ces liens. Leur assemblée ce midi pour que le Saint-Esprit te libère. 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 Il te localise dans ce temple. Le lien dans lequel tu te trouves. Le lien dans lequel tu te trouves. Le lien qui emballe ta vie. Barando. Koborobobo. Mandarababe. Suriandalabaya. Zondale Kabo. Saint-Esprit, agis et libère-les. Agis et délivre-les. Agis et délivre-les. Agis et délivre-les. Bakaya. Saint-Esprit, descend. Il délivre. 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 Boronda. Dogo le babla yame. Sors de ces liens. Dogo le babla yame. Sors de ces liens. Aïe, doudou be babla. Lien de souffrance. Fais face à ce babla. Lien de douleur. Écoute babla. Lien de mort. Pipo de babla. Lien de malédiction. Dogo le babla. Lien de persécution. Ouais. Makambara baba. Raba baba baba. Shara baba baba. Makambara baba. Baba
Saint-Esprit, localise-les et délivre-les. Localise-les et délivre-les. Ils ne seront plus dans ces liens. 2024, l'année 2024, leur sera une année de joie, une année de bénédiction, une année de paix. Mais cette femme, cet homme, cette jeune fille, ce jeune homme, elle est encore dans ses souffrances. Il est encore dans ses douleurs. L'esprit lui dit, toi tu penses que ton histoire sera transformée. Jamais ton histoire ne sera transformée. Tu as été livré. Oh, ça on a mié. Tu m'as été livré. Oh, ça on a mié. Tu m'as été livré. Edache. L'esprit a menti. Edache. L'esprit a menti. Edache. L'esprit a menti. Bagbo si agbagbo. Jean l'esprit. Oh, yo samarena. Ayant livré quelqu'un dans ce temple, j'envoie le Saint-Esprit. Dieu vivit là. Localise-le. Dieu vivit là. Localise-le. Dieu vivit là. Dieu vivit là. Dieu vivit là. Dieu vivit là. Localise-le-moi. Kambara baba. Lombayanda. Koborobobo. Bokotoroboboya. Surianda labaya. Renda babarabaya. Oya. Toi. Ameyaira inenye. Tu es une personne bénie. Oyira ole naube domi. Tu es béni depuis le sein de ta mère. Oyira ole naube domi. Tu es béni depuis le sein de ta mère. Yaira waye futokpo. C'est ta bénédiction que l'ennemi a vue. Kaka gai me foi le podomé. Et depuis que tu étais encore fautif, ils sont en train de tourmenter ta vie. Ils ne veulent pas que tu aies la paix. Voilà pourquoi depuis ta naissance, l'ennemi ne voudrait pas que tu aies la paix. L'ennemi voudrait que ta vie soit remplie. Saint-Esprit, tu connais ces personnes qui sont fatiguées. Ils sont fatigués de la vie. Tous les jours, il ne fait que pleurer. Saint-Esprit, manifeste-toi. Amène-les-moi maintenant. Amène-les-moi maintenant. Amène-les-moi maintenant. Amène-les-moi maintenant. Makambara baba. Zurianda lababe. Zurianda baika. Makoborobobo. Loba baraba saka. Nyonubi dogole wabasime. Sortez de leurs mains. Oh, wafunya funya wete petiti. Longtemps ils t'ont torturé. Longtemps ils ont utilisé. Makambara babe. Makarabaya. Dogole wabasime. Sors de leurs mains. Sors de leurs mains. Hey, Bakba Kakwe. Karabarabaya. Obarababa. Orondabarabaya. Sharabababa. Sibrandabarabaya. Makambarababe. Yandabarababo. Bakba Kakwe, Chessimi. Le Saint-Esprit te connaît. Miame yo miabak beya. Vous dont vos vies se sont remplies de douleur. Yenye miabe nou doudou. Vous ne faites que manger les douleurs. Non. C'est ce qui constitue votre nourriture, votre breuvage. Ta vie n'est que honte. Toi, ton cas, c'est la honte. Et partout où tu passes, tu traînes rien que la honte. Tu traînes rien que la honte. Tu es toujours déshonoré. Tu es toujours méprisé. Tu es toujours humilié. Pour cela, maintenant, même, Saint-Esprit, Bambara Baba, Mandoro Baba, Lerebe Yanda, Kandolo Babo, Maromba Yanda, Dolen Péame. Sors de la honte. Sors de la honte. Dolen Péame. Sors de la honte. Sors de la honte. Obek Bekagbe. Il dit, jusqu'à quand? Toi aussi tu te marieras. Jusqu'à quand? Toi aussi tu auras d'enfants. Oui, nous sommes ici. Marie-toi, nous allons voir. Enfante, nous allons voir. Enfante, nous allons voir. Marie-toi, nous allons voir. Marie-toi, nous allons voir. Marie-toi, nous allons voir. Ils ont menti. Avant la bataille s'en va. Reçois ton miracle. Oblima wa. Reçois ton mystère. Oya irawa. Reçois ta bénédiction. Manda. Oh bara baba. Bakpa kokwe. Ameyo nele jawo nukunu anale ndokusuya. Ameyo nele jawo nukunu anale ndokusuya. Ce dont tu voudrais accomplir ce miracle. Ameyo nele jawo nukunu anale ndokusuya. Ce dont tu voudrais accomplir le miracle. Et Dieu la mort domé. Tu les connais parmi les gens. Dieu la mort domé. Tu les connais parmi les gens. Ameyo wa nukunu benkeke. Aujourd'hui c'est leur jour de miracle. Ameyo wa nukunu benkeke. Aujourd'hui c'est ton jour de miracle. Ameyo wa mlima benkeke. Aujourd'hui c'est ton jour de mystère. Reçois ton miracle. Ouais. Reçois-le. Ouais. Reçois-le. Ouais. Reçois-le. Nukunu. Ton miracle. Hey, il ne le manque pas maintenant. Ton miracle que tu as. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant.
qu'un esprit le vaille ou pas, c'est ton miracle. Nous connons avec Abessou. Lors de ton miracle, nous connons avec Abessou. Lors de ton miracle, avec Abessou. Lors de ton mystère, quoi vivi là? Reçois-le maintenant. Quoi vivi là? Reçois-le maintenant. Quoi vivi là? Reçois-le maintenant. Kamara baba. Kamara baba. Oh là, oh ya ya irawa, so do do grande mi. Ils ont mis ta bénédiction dans une grande fosse. Ya irawa. Ta bénédiction. Oh souhait do do grande mi. Ils l'ont mis dans une grande fosse. Yene le pefu la fia. Et quand ils souffrent ici. Et doa me ya irawa ina. Ta bénédiction se rend dans cette fosse là. Et doa me ya irawa ina. Ta bénédiction va toujours dans cette fosse. Ava chofi fila. La bataille s'enclenche maintenant. Gbagbo si agbagbo. Tout genre d'esprit. Oi kudo le gbagbo mi. T'ayant poussé spirituellement et ayant ramassé tes bénédictions et placé dans une fosse, et quand tu te bats ici, tu ne fais que craindre la souffrance, tu ne fais que craindre la pauvreté. Sors de la pauvreté, sors de la souffrance, reçois ta bénédiction, 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 reçois ta bénédiction. La bénédiction de la bonne santé, la bénédiction de richesse, la bénédiction infantile, la bénédiction d'évolution. Que cela vienne dans ta vie. Que cela vienne dans ta vie. Que cela vienne dans ta vie. Fifila. Et maintenant même. Nous ça y va David dit. La puissance qui est descendue sur David. Et il a affronté les Syriens. Et les a vaincus. Que cette puissance vienne dans ce temple. Qu'elle vienne dans ce temple. Qu'elle vienne dans ce temple. Reçois cette puissance. Reçois-la. 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 Les démons sont en train de torturer ta vie. Avec cette puissance, va les vaincre. Va les vaincre. Va les vaincre. Va les vaincre. Cette puissance est là. Cette puissance est là. Elle est là. Elle est là. Cette autorité. Cette puissance autoritaire. Cette puissance autoritaire. Elle est là. 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 La puissance autoritaire. Elle se manifeste. Les hommes, recevez-la. 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 Recevez-la, hommes. C'est la dernière fois pour le chemin. C'est la dernière fois pour la maladie. Pour toi, nous disons. C'est la dernière fois pour les ennemis. Reçois ton autorité. Reçois l'autorité. Reçois l'autorité. Reçois l'autorité. Et après ton départ, tu les vaincras. La puissance de Dieu. Une forte onction. Une lourde onction. Une lourde onction. Qu'elle vienne sur toi. 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 Kambara baba. Shara baba baba. Lebranda baba. Makobara baba. Rondo robo. Surianda la baba. Mayandoka. Ndoku suya. Ce midi. Orujina. Le Seigneur te donne la victoire. Le Seigneur te donne la victoire. Orujina. Le Seigneur te donne la victoire. Après dans les doyom. Le Seigneur est en train de guérir. Et que les malades placent les mains sur leurs malades. Dans le nom de Jésus. De ta tête. Jusqu'à la plante de tes pieds. Il est en train de guérir. Reçois ta guérison. La cécité. Et la surdité. Les mutismes. La sinusite. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Ta colonne vertébrale. Reçois la guérison. Bouffée de chaleur. Reçois la guérison. Et vidi daomé. Dans ton utérus. Reçois la guérison. Tu es paralysé. Tu t'es dans ta salle. Lève-toi et marche. La puissance de Dieu te parvient. Soulève ta béquille. Fifila. Maintenant même. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Elle est d'ailleurs. Il est en train de guérir. Elle est dans l'homme. Il est en train de guérir. Le wofu me. Dans ton sang. Adaya ya. Reçois la guérison. Le wofu tome. Dans tes os. Adaya ya. Reçois la guérison. Le wofu kaome. Dans tes nerfs et veines. Adaya ya. Reçois la guérison. Cholestérol. Le taux de cholestérol élevé. Adaya ya. Reçois la guérison. Hépatite. L'hépatite. Adaya ya. Reçois la guérison. Diabète. Le diabète. Adaya ya. Reçois la guérison. Cancer. Le cancer. Adaya ya. Reçois la guérison. Adaya ya. Reçois la guérison. Kambara. Baba. Mandoro bobo Rokotoro bobo Suri andala babe Lenda baba Prostate
Les troubles prostatiques. Oh, yeah, domana. Tu es guéri de ce mal. H-t-t. Le gros cœur. Reçois la guérison. L'insuffisance rénale. Reçois la guérison. Fibrom. Les fibromes. Kyste. Les kystes. Myom. Les myomes. Les boules disparaissent de ton corps. Reçois la guérison au nom de Jésus. Ménopause précoce. Et recouvre tes menstrues. Et les maladies dans ton utérus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il est en train de guérir. Le Seigneur est en train de guérir. Coco. L'hémorroïde. Reçois la guérison. Bobomasuame. L'essoufflement. Radoyoyo. Reçois la guérison. Lame rojo. Bouffée de chaleur. Radoyoyo. Reçois la guérison. Azobe dolele. Maladie provenant des sorciers. Mami obe dolele. Maladie provenant des sirènes. Bobo obe dolele. Maladie provenant des démons. Oyo doma onami. Le ciel te guérit de ces maladies. Oyo doma onami. Le ciel vous guérit de ces maladies. Ekune zuagbenami. Que la mort vous soit transformée en vie. Fipotene zuyairanami. Malédiction en bénédiction. Agedadane zu kesino tonyenami. Pauvreté en richesse. Recession. Recession dans la récession. Recession dans la récession. La victoire vous est donnée ce matin. Le Seigneur vous donne la victoire ce matin. Le Seigneur change votre histoire. Dans le nom de Jésus. Assois-toi doucement. Père, une fois encore, je prie. Je te confie les malades mentaux. Va me les guérir. Mais donc où Afrique chi? Je me souviens de l'Afrique. Mais donc où Kiki Godoa? Je me souviens du monde entier. Mais donc où Togo chi? Je me souviens du Togo. Mais Bianti Fafana. Et je demande la paix. Akpena au papa. Merci Père. Akpena au papa. Merci Père. Akpena au papa. Merci Père. Amen. Au nom de Jésus, amen. 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 Oh. Mebe amen. Amen. Et tu connais mi anu titi don pour le problème. Êtes-vous fatigué? C'est le jeûne qui vous menace comme ça? Bagba kokone don nous semi. Le Saint-Esprit vous fortifie. Oh amen. Amen. Ya gatro subo subo ade akpabu. Nous allons évoluer avec une autre phase. Ici dans le camp Jésus est la solution les vendredis. Miwana sama sama. Nous faisons la convocation. Ou la convocation, c'est quoi exactement? Tout ce qui t'inspire, prends-le, crie dessus. Et dis que tu convoques tes ennemis auprès de Jésus. Une fois que tu prends ton don, lève-toi. Il y a quelqu'un qui te menace et dit qu'il te montrera de quoi il est capable. Une richesse qui t'appartient. Un méchant veut s'en accaparer. Dans tes rêves, tu fais rien que des cauchemars. Convoque, élève-toi. Prie maintenant sur ta convocation. Prie sur ta convocation et dis que tu as convoqué tes ennemis auprès de Jésus. Toi-même, ton ennemi, l'ennemi de ta femme et de ta enfants. Convoque-les auprès du Seigneur ce matin. Papa, les Yesu ben comme. Père, au nom de Jésus. Mais ça m'a toi dit ben futo na. Je te convoque les ennemis de ce camp. Maouba me avait futo. Les ennemis de l'homme de Dieu. Yebe sofo, yebe missionnaire, yebe towa na. Ces pasteurs, ces missionnaires, ces ouvriers. Mais ça m'a ben futo katana. Je te convoque leur ennemi. Wava na duji lengas kusuya. Combat et donne la victoire ce matin. Mais ça m'a du ko ilengu me sifilaya. Mais ça m'a ben le peuple en ta présence ce matin, je te confie, je te convoque leur ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tous les saints disent Amen. Lève ta main dans laquelle se trouve ta convocation. Et répète, je convoque mes ennemis auprès de Jésus. Une deuxième fois, je convoque mes ennemis auprès de Jésus. Et une troisième fois, dit, je convoque tous mes ennemis auprès de Jésus. Amen. 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 Viens mettre ta convocation dans le tronc. Danse légèrement sur le rythme. Yeah, man.
Est-ce que je vous ai dit de vous asseoir? Alors le vendredi passé, nous avions... Ce matin.
Le vendredi passé après le ministère, nous étions dans la convocation. Il y avait un papa parmi les gens. Il a levé sa béquille. Lorsqu'il est venu devant, il m'a donné la parole. Il dit après le ministère, lorsqu'on a parlé de la convocation, il y a une voix qui lui parlait et qui lui disait de se lever et d'aller faire la convocation. Lorsqu'il s'est levé en même temps, il a commencé par marcher sa béquille. Il a commencé par marcher. Et il a soulevé sa béquille. Devant nous ici, cela a lieu. C'est Jésus qui avait accompli ces choses. Je suis convaincu que dans la prière maintenant même, les cancers ont disparu du milieu de vous. Le sida a disparu du milieu de vous. Les liens de malédiction sont tombés dans vos vies. Le soir, viens rendre témoignage. Vous êtes infiniment béni. Pour cela, lorsqu'on chante, vous qui avez la grâce de chanter, chantez. Moi, j'ai tellement de remords parce que j'ai eu une chante difficilement. Mais je prie à ce qu'il me donne cette grâce-là un jour. Et je serai en train de chanter parmi vous. Et quand on serait en train de chanter, l'Éternel serait en train de tourner en volant son ciel. Il dira à ses anges, allez donner tes colis à ses enfants. Allez donner mes colis à Kofia. Allez donner ses colis à Kofia. Allez donner ses colis à Kofia. Recevez vos miracles. Recevez vos mystères. Recevez vos guérisons. Vous êtes donc bénis. Alléluia. Alléluia.